Et Dieu doit expliquer aux joueurs qu'est-ce qu'ils vont jouer. Hein? On va prendre en situation contre 5 ans, on va attaquer, on va jouer l'entrée de l'arrière et on va jouer toutes les situations. Mais je vais expliquer comment on doit expliquer les joueurs les exercices. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de possibilités et les joueurs doivent savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Okay? La situation, l'entrée de la ligne. Tu dois passer la balle, par exemple. Tu dois passer la balle ici, passe la balle, cours. Et tu dois venir ici pour jouer en contre-un ici. Okay? Tu dois aller à l'extérieur. Okay. Seulement comme ça. Et tu peux venir ici si tu veux. Okay? Seulement comme ça. Alors, prends la balle. Et joue. Si, si, joue. Fort, fort. En contre-un, de contre-un, ce que tu veux. Joue, joue. Alors, tu dois le faire. OK. Allez, commence. Passe la balle. Passe la balle. Commence. Ah. Très bien. You. Le prochain. Passe la balle. You. Jusqu'à la fin. OK. Très bien. Répétez. Répétez. Passe la balle. OK. You. OK. Très bien. Nous avons vu il y a beaucoup de situations qu'on peut faire ici. Pour exemple, je suis ici et you. Arrête, je peux prendre ici. Répétez, répétez. Je peux prendre de l'autre côté. Répétez. Je peux prendre au centre et je peux défendre comme ça. Attaque, attaque. Hop, hop. Ok. Je peux prendre au centre. Comme je peux expliquer qu'est-ce qu'on doit jouer? On va commencer. Alors, tout le monde ici, ici. Alors, on va commencer. Si, tout le monde ici. Alors, bien. On va terminer. Qu'est-ce qu'on a fait? En contre-un ici, contre ces joueurs. Parce qu'on a décidé, on a regardé les vidéos, et on a décidé, cette équipe, la défense est très bonne, mais ici, si on joue en contre-fort, nous aurons beaucoup de possibilités de marquer but. Alors, on va commencer le plus facile, en contre-un ici. Si je suis capable de jouer en contre-un fort et marquer ball, cette situation sera très bonne pour nous. Commence avec la balle, tout le monde ici, la défense, tu dois être ici, la défense, passe la balle et en contre-un. OK? Ah, commence. Allez. Et vous savez, les balles là-bas. Passe la balle, en contre-un, fort. Très bien. Passe la balle, en contre-un, très bien. Et de l'autre côté, vous pouvez le faire. En contre-un, très bien. En contre-un, comme ça. Si je vois qu'il fait la fin très bien, je peux être plus fort. Hein, comme ça. Très bien. Fort, fort, fort. Très bien. OK. OK. Hein? Alors, tu peux être ici. Tu peux être ici. Ah, c'est possible. Si, bon. Un joueur ici. Et l'autre, bien ici. Ici. OK? On va travailler la situation au centre. Nous sommes 3 contre 3. OK? Maintenant, sans possible. Sans possible, parce que nous sommes 3.
Si tu joues un contrat fort, et tu es capable de faire la fente, s'il ferme, tu dois passer ici. Si tu joues à ses côtés, tu dois être capable de passer ici. Seulement comme ça. OK? Allez. Fort, fort. Très bien. Stop. Allez, répétez. Stop. Stop. Très bien. Alors. Bon. S'il ferme, tu dois passer là-bas, là-bas. OK? Allez, fort. La fente. Fort. Très bien. Allez. Si tu as besoin de dribbler, tu peux le faire. OK? Allez. Fort. Très bien. Fort. Très bien. Alors. Très bien. Alors. Fort. Très bien. Stop. Stop. On a travaillé ces situations. Alors, et avec ce cible. Possible. Tout le monde doit être ici, ici, ici. Arrière, demi-centre, arrière. Okay. Tu dois être au centre. Tu dois être au centre, ici. Et nous sommes 4 contre 4. Bien, ici. Tu peux arrière, demi-centre, arrière, à l'attaque. Okay. On va faire la situation. On entraîne l'entrée de l'arrière. Pas. Et tu dois entrer ici. Et nous avons la dernière situation. Et on va travailler en contrainte si tu dois être à l'extérieur. Comme ça. OK? En gardant ici le détail. En gardant la ligne. Comme on va le faire. Si on va jouer l'entrée de la ligne, de l'arrière, tu dois passer à la ligne. Et tu dois ouvrir. Ouvre là-bas. Ça mal, ça mal. Cours. Cours. Ouvre la balle. Il aura le temps pour être positionné. Et qu'est-ce que tu dois faire? En contrant. Quand tu dois le faire? Fort. S'il vient, passe ici. S'il vient, passe ici. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sortir en paix. Parce qu'il ne sait pas jouer comme pivot. Et c'est plus facile passer la balle ici. OK? Alors? Ici, ici, ici. L'entrée de l'arrière à ce côté. Allez. Et commence. Et vous devez jouer la fente. Jouez là-bas. Jouez là-bas. OK. La balle là-bas. Là-bas. OK. Comme ça. Passe la balle. Fort, fort. Très bien. Allez, répétez. Là-bas, là-bas. Si tu as besoin de dribbler, tu peux le faire. Si tu prends la balle très loin, tu peux dribbler. L'entrée de l'arrière, allez. Fort. Et, le plus important, le premier exercice, comment on l'a fait? Tu dois prendre la balle ici, au centre. Et tu peux fenter à droite et à gauche. OK? Prends la balle ici. Si tu prends la balle ici, il n'y aura pas de place pour fenter. Tu dois venir ici. Directement au centre. Et tu auras les places. OK? Répétez. OK? OK? Fort. Très bien. Très bien. Et tu dois sortir en paix.